Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance, et nous allons parler de Découvrez la nouvelle femme d'Antoine, que cache Iris et Tessier, l'incroyable idée de Lionel, et Bérénice découvre toute la vérité sur Carla. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, découvrez la nouvelle femme d'Antoine. Antoine surprend Pénélope en date. La jeune femme est morte de honte et semble subir le moment. Alors le directeur adjoint lui vient en aide, quitte à jouer le rôle du mari jaloux. Au resto du coin, Pénélope est en plein rendez-vous galant avec un homme qui travaille dans la crypto-monnaie, ce qui n'a pas vraiment l'air de l'intéresser. De plus, elle a du mal à être pleinement présente avec l'individu, car Antoine, son proviseur, a débarqué dans le restaurant, ce qui n'arrange pas la situation déjà bien gênante. Elle va discrètement réussir à faire signe à Antoine que son date va finir par la tuer de gêne tellement leur conversation est embarrassante. Pénélope essaye alors de faire comprendre à l'homme qu'elle ne doit pas tarder à partir, mais il va vite la couper pour lui annoncer qu'ils ont le temps car il a réservé un restaurant pour 20h. Elle ne sait alors plus comment se sortir de là et elle envoie un dernier signe de détresse à Antoine qui ne se trouve qu'à quelques pas de leur table. Le proviseur adjoint de l'institut va alors jouer le jeu en se faisant passer pour Milo, le mari de Pénélope, qui ne comprend pas ce qu'elle fait en compagnie d'un autre homme. Le coup de théâtre fonctionne et le date semble prendre fin plus vite que prévu. Que cache Iris et Tessier? Emmanuel rejoint Iris dans la cave. La nouvelle prof fait du chantage à Tessier par le biais d'une mystérieuse lettre. La volonté d'Iris est simple: retrouver sa famille quoi qu'il en coûte. Dans la cave du double or, Tessier vient demander à Iris Montigny de lui rendre la lettre avec laquelle elle le fait chanter depuis plusieurs jours car il a fait sa part du marché. La nouvelle prof explique à Emmanuel qu'elle s'en est déjà débarrassée. Bien évidemment, Tessier ne la croit pas du tout. Il lui rappelle que sa famille ne veut plus la voir car ils savent tout comme lui qu'elle est une personne vicieuse. Le ton va très vite monter car Emmanuel a besoin d'être certain qu'Iris ne pourra pas nuire à sa famille. Mais malheureusement, il doit réussir à lui faire confiance car elle ne compte pas lui rendre cette fameuse lettre. Iris tient aussi à lui rappeler que son but n'est pas de détruire sa famille mais de récupérer la sienne. Ce beau discours aurait dû apaiser la situation, mais Tessier, furieux, quitte la cave sans lui dire un seul mot et Iris ne devra pas compter sur son aide car elle a un nouvel ennemi désormais. L'incroyable idée de Lionel. Accoudé au bar, Jude et Lionel sont désespérés. Une énième déception les mène à l'idée du siècle. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Au bar près de l'Institut Auguste Armand, Lionel et Jude réalisent qu'ils ont complètement raté leur projet pour le master, malgré qu'ils aient été plusieurs chefs à réfléchir dessus. Tout cet échec les déprime et ils décident de commander à manger pour se consoler. Problème, le serveur du restaurant leur explique que les cuisines sont fermées jusqu'au soir et qu'ils ne peuvent que boire à cette heure-là. Décidément, la poisse continue pour les deux jeunes chefs qui ne peuvent alors s'empêcher de s'apitoyer sur leur sort. En écoutant Lionel se plaindre, Jude a soudain un éclair de génie en imaginant un service en continu pour que les fournisseurs puissent leur fournir des tarifs préférentiels. Lionel le félicite pour son talent et grâce à Jude, les deux chefs semblent enfin être sur la bonne voie car le restaurant concerné se trouve au sein d'un village dans lequel de nombreux étudiants ayant peu de moyens pourront venir profiter de leur service haut de gamme. Les deux amis sont reboostés et ils rebondissent rapidement sur de nouvelles idées prometteuses. Enfin, la semaine prochaine, Bérénice découvre toute la vérité sur Carla. Carla fait une demande à Bérénice très malvenue. Furiani est au pied du mur et doit dire toute la vérité. Désormais, les choses iront doucement mais sûrement entre les deux femmes. Carla rend visite à Bérénice dans la maison des Tessiers. La jeune femme est venue proposer une soirée de Saint-Valentin à la coloc à celle qui est redevenue son ami malgré leurs sentiments. Bérénice n'arrive pas à suivre Carla, car cette dernière l'ignore sans aucune raison valable et elle revient comme une fleur quelques jours après pour lui proposer d'aller à une soirée ensemble. Carla réussit finalement à ouvrir son cœur à Bérénice en lui expliquant qu'elle n'a en fait jamais eu d'expérience avec une fille et que la nouveauté lui fait très peur. Bérénice comprend mieux le comportement de Carla ces derniers jours et les deux jeunes femmes vont se mettre d'accord pour faire évoluer leur relation dans un rythme un peu moins rapide. On a alors le droit à un échange de compliments plus mignons les uns que les autres jusqu'à ce que Bérénice fasse entrer Carla chez sa sœur. Le nouveau couple se lance alors dans une soirée pleine de popcorn et les deux amoureux sont bien d'accord pour ne pas aller à la soirée toute pourrie de la coloc. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.